dans cette présentation de map, la Great Western Extreme. C'est une map du Midwest américain. Il n'y a pas plus d'infos que ça dans le lien. Je voudrais vous en donner plus, mais il n'y en a pas plus. On va aller la regarder. Il n'y a pas grand chose. C'est une carte de style américain. Elle a quand même l'air bien, des champs assez moyens. C'est pas une map 4X. C'est une map bien normale. C'est là. On n'a pas été une autre version. C'est vraiment la version d'aujourd'hui et non pas d'autres versions. Je ne l'ai jamais vu avant. On va la découvrir avec vous, les amis. Comme vous en remarquez, je suis nouveau fermier toujours. Ça n'a pas changé. Ensuite, c'est juste une présentation. Rien que découvrir le corps de ferme. On a deux champs. Quatre champs. Hein? Ça, on va aller voir c'est quoi ces deux champs-là. Hein? L'un c'est du soja, l'autre c'est du maïs. Il y a plusieurs points de vente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plusieurs points de vente, c'est bien. C'est bien. Plusieurs points de vente. Il n'y a pas de culture spéciale. On va voir, ça doit être des champs d'herbe, ça. Prêt à lancer. Donc, ouais. C'est des champs d'herbe. Bon. Champs d'herbe. Ok. Bunker. Bunker. On a tous les animaux à la ferme, je pense. On a les vaches, les poules, les chevaux. Puis je pense que c'est tout. C'est l'eau. Il n'y a pas de cochon. Les cochons sont. Les moutons sont là. Puis je pense qu'il n'y a pas de cochon. Non, il n'y a pas de cochon. Oui, les cochons sont en haut ici. Ouais, ben je l'avais regardé, mais je voulais regarder la présentation. Encore avec le matériel. On fait le matériel en passant par la gare. Des silos. J'adore cette petite ferme-là, pour les vaches. J'en ai une sur une de mes parties. Ben, sur deux parties, je l'utilise bien gros, je l'aime bien. Petit pâturage. Les poulets. La maison. Deux gros encore. Vendeur. Les barres de coupe sont serrées là. Camion. Donc, bon, on fait le tour d'un garage. Un John Deere 6250, le Challenger NT 975, le John Deere 7310, le Lisa Hulk comme camion. La moissonneuse, une S790, le pick-up 1978, la Ben Pace Setter, le Wilson Trailer, barre de coupe et l'autre barre de coupe 618-645 FD. La machine pour labourer, Salford 8312,
Le Brennard, Shifter SM 18 000, le Star Estrella 32, le Samoa, le Brendal, tout le monde le connaît, le K165, le Kuhn GMD 4411. Et on cherche pas le ramasseur, mais l'étoupie, Kuhn SR 314, le Swiss Ten Sweet Maker Rapide 580, le Jaliskin Aquatran 7300S, les fourches pour le John Deere 643, le godet, la remorque pour la barre de coupe, un enclos à vache, un enclos à cochon, un enclos à mouton, grand enclos pour les chevaux, pas 1,16 m, cochon 250, mouton 250, cochon 300, les vaches 200, puis poulet doit être 500, non c'est 100, un silo à grains, il y a les extensions, les deux à gauche, la maison. Quand même pas si pire. Comme on dit, comme j'aime bien dire, il y a beaucoup de place pour serrer les silos. Quand même pas si pire. Quand même pas si pire. Les champs sont quand même grands. On va au magasin. Magasin John Deere. Le guichet, l'achat est là, on vend là. Matériel usagé. On a juste vraiment, je pensais que on a l'enclos des cochons, mais il ne nous appartient pas. Le terrain, il faut l'acheter. On va aller voir là, il y a un beau terrain pas loin. À l'arrêt des arbres. Encore un terrain pour. Un terrain d'herbe. Je vais prendre le camion. Là. Pour ceux qui aiment. Je vais aller voir le terrain. Un terrain qu'on peut acheter pour installer. Moi, j'aime toujours installer des usines. J'aime bien installer des usines. Alors, un beau terrain, un beau coin pour ça. J'aime bien jouer avec des usines. Ouais, un beau grand terrain. Es-tu bien dispendieux? Es-tu bien dispendieux? Non, c'est pas dispendieux. Il y a un terrain d'herbe là. C'est un peu cher. Un peu cher. Les champs sont pas trop carrés. Quand même. Je sais pas si c'est le gars, si c'est sa première carte, mais quand même bien. Quand même bien pour une, si c'est sa première carte. On va aller au biogaz. Les bunkers. Je pense qu'on connaît ce genre de usine à biogaz. Des bunkers, des gros bunkers. Peut en rajouter, mais si on en fournit, on est capable d'en rajouter. Je vais aller voir le négociant. Le négociant, toujours le même commerçant. Un petit défaut là, hein. Le trigger est un peu le trigger est un peu levé. On doit être un point de vente ça. Un point de vente là. Un autre point de vente ici. Ça grange. Biogaz. Moi, ben, je pense que c'est quand même pas si pire. Les moutons, les moutons.
pense que tout le monde le connaît, celle-là aussi. Un style quand même pas si pire. Ah, on peut juste acheter ce coin-là. 127 000, acheter les cochons aussi, 32 000. Les cochons ne sont pas chers. Ils sont pas chers. Quelques points de vente. On va aller là. Hein. Houle. Pour prendre la laine. La déco est quand même une peau. Ça pourrait être mieux. Mais c'est quand même bien barré. Un autre point de vente ici. On connaît toute sa grange-là. Je pense qu'elle traîne depuis des lunes. Mais le Midwest américain, il y en a beaucoup. Bon, ben sur ça, les amis, moi, je vais vous laisser là-dessus. Et merci encore, puis à la prochaine!